Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cette journée de donner l'opportunité à la Fondation Maladies Rares de s'exprimer aujourd'hui. Donc, je suis Célia Mercier, je suis responsable régionale pour la région Île-de-France au sein de la Fondation Maladies Rares qui œuvre dans le soutien financier et par des appels à projets en fait, à soutenir la recherche académique française. Donc, je vais vous présenter un panorama assez concis des particularités de la recherche dans les maladies rares. Tout d'abord, comme vous le savez tous, les maladies rares et les malades qui sont atteints de ces pathologies-là font face à différentes difficultés, notamment une errance diagnostique qui a été mesurée et qui est de l'ordre de 4 ans en moyenne, donc pour avoir un nom sur sa pathologie. Donc ça a des conséquences personnelles évidemment et de soins très importantes. Et puis, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, très peu de traitements spécifiques qui sont disponibles actuellement pour traiter ces pathologies rares. Donc il y a vraiment de gros challenges à relever. Donc les défis sont multiples, les atteintes de ces malades souvent ont lieu au niveau de plusieurs organes, donc il faut évidemment aller voir des professionnels du soin qui sont des personnels divers, hein, des différents spécialistes, donc ça demande beaucoup d'efforts. Au niveau de la recherche, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que les pathologies rares nécessitent en fait la prise en charge de plusieurs experts en recherche. Il faut financer évidemment cette recherche pour les maladies rares. Comme Madame la Ministre vous l'a présenté tout à l'heure, donc il y a des étapes de recherche fondamentale, notamment de recherche clinique qui sont à financer. Et la recherche a intensifié aussi car les acteurs sont divers, sont éparpillés sur le territoire français et international. Donc il y a de gros efforts au niveau aussi de structuration à l'international à faire. Donc ce sont en effet les malades hein, qui ont été vraiment qui ont poussé par leurs actions et celles de leurs proches via des associations de patients à la prise en compte et une prise de conscience de ces différents défis pour la recherche des maladies rares. Au niveau de l'international, donc il y a plusieurs types d'intervenants qui agissent aujourd'hui dans la recherche pour les maladies rares. Notamment, il y a un consortium international, donc l'IRDIRC, qui est le consortium international de recherche dédié aux maladies rares, qui a été créé en 2011. Selon l'impulsion, enfin par la Commission européenne et le NIH, l'objectif était vraiment d'arriver à diagnostiquer la majeure partie des pathologies rares et d'arriver vers de nouvelles thérapies. Donc à ce jour, l'IRDIRC est constitué d'une quarantaine de membres adhérents qui ont tous une forte activité en recherche pour les pathologies rares. Donc, ce sont des organisations publiques ou des industriels aussi du médicament et des associations de patients qui font partie de ce comité. De nouveaux objectifs ont été définis l'année dernière, en 2017, pour la décennie en cours. Ils sont très ambitieux, comme vous pouvez le voir, notamment réduire de manière très drastique le délai pour avoir un diagnostic, arriver à 1000 nouvelles thérapies pour les maladies rares d'ici 2027. Donc il y a déjà de grands efforts qui ont été faits dans les dernières années, hein, notamment à partir de 2010-2012,
Mais là, on souhaite, enfin, au niveau du consortium international, aller vers 1000 nouvelles thérapies. Et puis aussi évaluer l'impact du diagnostic et des traitements pour les maladies rares, notamment faire des évaluations en termes sociétal au niveau du parcours de vie des patients. Un autre acteur que vous connaissez aussi très bien est EURORDIS, donc, qui est l'alliance non gouvernementale d'associations européennes des malades atteints de pathologies rares. Cette association donc, est présente dans 69 pays et elle a aussi une action vraiment déterminante et cruciale dans la prise en compte et la connaissance même des maladies rares et a aussi des actions au niveau de la recherche. D'autres intervenants tels que les ERN, dont vous avez déjà entendu parler, ont des actions aussi sur cet axe recherche. Donc les ERN sont les réseaux européens de référence. Ils ont été structurés l'année dernière. Aujourd'hui, il y en a 24. Et leur modèle a été calqué en fait sur le modèle des filières de santé maladies rares donc qui ont été créées en France. Donc ils sont 24 et se réfèrent à une maladie ou un organe voilà. Et puis il y a aussi donc la Commission européenne qui a qui propose des fortes incitations en termes de recherche je suis désolée, le retour de son, c'est très désagréable. Donc la Commission européenne qui propose des financements aussi pour inciter donc les chercheurs à travailler dans la recherche pour les maladies rares. Donc dans le prolongement des financements qui existent tels que IRER, il y a un nouvel outil qui a été lancé en fin 2017. Qui est l'EJP dont vous parliez, European Joint Programme. Et cet instrument donc, permettra d'avoir une organisation stratégique vraiment de haut niveau, transnationale de la recherche. Il va y avoir donc des financements très conséquents pour la recherche à des fins d'innovation thérapeutique, mais il y a aussi d'autres axes qui seront couverts par l'EJP, notamment en termes de formation au niveau européen. Alors, en France, donc, comme cela a été dit précisément, la France est un pays pionnier dans la prise de conscience de ces maladies-là. Ça a été le premier pays européen à mettre en place, à développer un plan national maladies rares et qui a permis de structurer vraiment les offres de soins, avoir facilité vraiment l'accès aux soins pour les patients, faciliter aussi le diagnostic et mettre en relation les différents acteurs de la recherche. Tous ces acteurs-là, évidemment, ont été mobilisés dans les derniers mois et sont encore mobilisés aujourd'hui pour que le troisième plan maladies rares voit le jour. Donc, suite aux deux précédents plans maladies rares, 23 filières de santé maladies rares ont été créées en France et presque 400 centres de référence et 1900 centres de compétences, vraiment avec une action de soins pour les patients et de recherche. La Fondation Maladies Rares découle du deuxième plan Maladies Rares, donc elle a été créée selon l'axe recherche du deuxième plan maladies rares. Elle a aujourd'hui 5 ans révolus d'existence.
Et elle a été créée sur la volonté, selon la volonté de ses 5 membres fondateurs, qui sont des représentants des différentes parties, je dirais, des maladies rares. Donc d'une part, la voix des malades est représentée au sein de la fondation par ses membres fondateurs que sont l'AFM Téléthon et Alliance Maladies Rares. La voix des acteurs de la recherche est portée par l'INSERM et par la conférence des présidents d'université. Et la voix des acteurs du soin est portée par les directeurs généraux des CHU. Voilà, donc toutes ces parties prenantes, évidemment, sont membres fondateurs de la fondation et font partie de notre conseil d'administration et établissent aussi la stratégie à venir. Donc notre mission, la mission d'intérêt général de la fondation, c'est vraiment d'accélérer la recherche pour toutes les maladies rares. Ceci est réalisé grâce à une politique d'appel à projet. Nous lançons environ 6 appels à projet différents par an qui ont pour objectif de décrypter les pathologies rares, donc avec des appels à projets génomiques notamment, donc aider au diagnostic en identifiant les causes des maladies et aider au développement de nouveaux traitements via des appels à projets de modélisation et de création de modèles animaux notamment, et de criblage aussi sur des molécules innovantes. Et puis, une part aussi très importante de notre action concerne l'amélioration du quotidien des personnes malades. Pour ce faire, la Fondation met en place un appel à projet annuel en sciences humaines et sociales qui a pour objectif de répondre à une question de recherche sur le parcours de vie du patient afin d'aider à rompre l'isolement des personnes malades et de leur entourage. Donc, synthétiquement, en chiffres, depuis 2012, nous avons reçu presque 1000 dossiers donc, qui ont été soumis à nos différents appels à projets. 320 projets ont été lauréats. On a un taux de succès, je dirais, qui est environ de 33%. Au niveau du budget, nous avons injecté directement dans des projets de recherche académique en France 9,4 millions d'euros. Voilà. Et ces projets de recherche sont réalisés sur des plateformes partenaires, plateformes technologiques partenaires de la Fondation. Au-delà de ces appels à projets, nous accompagnons aussi des chercheurs par des conseils personnalisés, des chercheurs porteurs d'innovations thérapeutiques, afin de consolider en fait les preuves de concept et d'aller vers des nouveaux traitements. Je vous remercie.